Bonsoir à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Goût des joueurs et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Je vous propose un gros combiné avec quasiment une cote à 10 sur 3 rencontres qui vont avoir lieu demain. Donc 3 matchs dont la rencontre de l'équipe de France, match amical contre l'Écosse. Donc si vous voulez mon combiné, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, vous activez la petite cloche et vous serez informé à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. On a analysé toute la trêve internationale et là on revient dans notre rythme de croisière avec tous les championnats qui vont être analysés d'ici la fin de la semaine puisque les championnats reprennent et la semaine prochaine le retour de la Ligue des Champions. Donc si vous avez besoin d'aide pour parier, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors, pour ce gros combiné côté à 10, je voulais partager un bon plan avec vous. Sachez qu'en ce moment, sur Rue des Joueurs, vous pouvez profiter de 35 euros offerts sans dépôt. Donc c'est totalement gratuit, pas besoin de sortir la carte bleue. Ça se passe chez trois opérateurs. Allez, on va commencer par TheBet puisque c'est le premier qui s'est affiché. Donc chez TheBet, 10 euros offerts sans dépôt. Donc totalement gratuit, c'est cumulable avec le bonus habituel, c'est-à-dire le premier dépôt doublé. Donc vous déposez 100 euros et TheBet vous offre instantanément 100 euros de free bet supplémentaire. Crédit de jeu non retirable pour vous lancer dans le monde des paris avec une bankroll de 200 euros, plus donc 10 euros offerts sans dépôt. Donc si vous voulez en profiter, code promo RDJ10 que vous voyez juste au-dessus des lunettes d'Omar. Donc ça, c'était TheBet. Deuxième opérateur, c'est Unibet. Donc là, c'est 10 euros offerts sans dépôt. Et c'est cumulable cette fois-ci avec un premier pari de 100 euros remboursé en free bet s'il est perdant. Donc free bet, toujours crédit de jeu non retirable. Donc vous pariez 100 euros et si vous perdez, bah, Unibet vous rembourse 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Ce coup-ci, code promo RDJ Gold. Donc ne vous trompez pas. Et enfin, pour finir, 15 euros, ça se passe chez Paris en Sport. Alors c'est pour la durée de la Coupe du Monde de rugby, donc on arrive en fin de compétition, donc profitez-en si vous ne voulez pas le louper. Code promo Parion 15 en chiffres romains, hein, XV, et donc là aussi cumulable avec le bonus classique qui est plutôt intéressant. Si vous pariez 85 euros, que ce pari soit gagnant ou perdant, Parion Sport vous offre 85 euros de free bet. Donc voilà, j'ai fait le tour, à vous de faire votre choix. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en profiter, vous cliquez juste en dessous sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et il ne vous restera plus qu'à choisir lequel des trois opérateurs vous convient le mieux. En attendant, on va rentrer dans mon gros combiné cote à 9,37 et on va commencer, donc je vous l'ai dit, avec le match de l'équipe de France contre l'Écosse. Pour cette rencontre, je suis parti sur. Alors, hop, il faut que je puisse l'afficher correctement. Je suis parti sur le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,99. Donc, je m'explique, match amical entre deux équipes qui sont qualifiées d'ores et déjà pour l'Euro. Dans cette configuration-là, avec un match amical en deuxième partie de rassemblement, on a vu que les Français s'étaient relâchés le mois dernier. Défaite contre l'Allemagne, 2 buts à 1. Il faut être clair, c'est un match que les joueurs jouent parce qu'il faut le jouer. Mais on a un retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Je ne serais pas du tout étonné de voir les Bleus, consciemment ou inconsciemment, faire le strict minimum sur ce match-là. C'est-à-dire le genre de petite victoire 1-0 ou 2-0 qu'ils savent particulièrement bien faire. En plus, on peut ajouter à ça que côté écossais, c'est un peu le même calcul, ils sont qualifiés aussi. Andy Robertson et Kieran Tierney ne seront pas là sur ce match. On ne sait pas encore très bien à quel point les équipes vont être maniées, mais quoi qu'il en soit, de mon côté, j'imagine un match assez calme. Donc c'est plutôt bien coté dans le cadre d'un gros combi à 10 où on peut se permettre de prendre des risques, surtout bah, quand on a des bonus et des offres sans dépôt, je trouve ça plutôt intéressant.
Deuxième match, Irlande du Nord, Slovénie. Je vais partir sur une victoire de la Slovénie. Là aussi, c'est bien coté, c'est à 2-20. La Slovénie qui a gagné le match aller 4 à 2. Et derrière, ils ont gagné 4-0 à Saint-Marin et 3-0 contre la Finlande. Cette équipe de Slovénie, elle est en tête du groupe H avec, avec le Danemark. Elle joue bien évidemment la qualif, alors que l'Irlande du Nord ne joue plus rien. Alors, l'Irlande du Nord, ils ont gagné leurs deux matchs contre Saint-Marin, mais pour le reste, on a 100% de défaite. La cote est haute malgré tout, je pense, car l'Irlande du Nord n'a pas perdu à domicile par plus d'un but d'écart depuis 2020, donc ils sont quand même relativement solides sur leur pelouse. Mais vu l'état de forme des deux équipes, encore une fois, dans un gros combi, ça se tente. Et dernière rencontre que j'ai choisie, c'est le match qui est dans le même groupe d'ailleurs, entre la Finlande et le Kazakhstan. J'ai pris une double chance en faveur du Kazakhstan, qui est coté à 2,14. Donc je l'ai dit, même groupe que le match précédent. Les deux équipes ont 12 points et peuvent aussi prétendre à une qualification pour l'Allemagne, hein, pour l'Euro cet été. Toutefois, la Finlande a perdu ses deux derniers matchs sans marquer de but. 1-0 à la maison contre le Danemark et 3-0 en Slovénie. La Finlande, c'est quand même une équipe qui a du mal à la maison, globalement, si on regarde les derniers résultats. Alors que le Kazakhstan a quand même gagné deux de ses trois déplacements dans ses éliminatoires, à Saint-Marin et en Irlande du Nord. Bon, c'est des équipes faibles, mais bon, quand même. Ils ont perdu là le dernier match au Danemark, mais ils n'ont pas sombré. C'est pas une équipe qui prend des wagons de but. Donc contre une équipe de la Finlande qui a du mal à marquer, je trouve que la double chance est plutôt intéressante. Ce qui nous donne une cote à 9,37. Donc j'ai pris l'exemple du ticket sur Unibet, mais bon, vous pouvez le faire comme je vous ai montré, soit sur The Bet, soit sur Parion Sport. Donc vous adaptez les montants. Mais là, par exemple, sur Unibet, donc si vous mettez vos 10 euros offerts sans dépôt, ça vous fait une cote à 9,37. Donc vous pourriez remporter 93 euros. Donc bien évidemment, moins les 10 euros du pari, ça vous ferait malgré tout 83 euros de bénéfice, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc je répète, hein, voilà ce que vous devez retenir. Trois opérateurs avec des offres sans dépôt, sans sortir la carte bleue. Unibet 10 euros, The Bet 10 euros et Parion Sport 15 euros. Le tout cumulable avec les bonus classiques des différents opérateurs que je vous ai résumé en début de vidéo. Donc voilà, c'était Sylvain, mon combiné pour demain soir, mardi soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ce combiné a une chance, si vous le validez. Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Hein. Je l'ai dit, la reprise des championnats. Donc moi, dès demain, je vais me remettre à travailler sur Ligue 1, Ligue 2. Comme d'habitude, je finis en vous rappelant les règles élémentaires. Les paris sportifs sont interdits au moins de 18 ans. Et même pour tous les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. N'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Pour tout le monde d'ailleurs, il y a eu, on en parlait un petit peu au bureau, un petit reportage sur Arte, sur les books et les paris sportifs. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le replay, sur la chaîne d'Arte. C'est toujours intéressant. Sur ce, bonne soirée à tous les amis.